une bataille. Les Français découvrent peu à peu le discours du général de Gaulle, lancé à partir d'un studio de radio BBC à Londres, le 18 juin 1940. Son appel pose la première pierre à la création de la résistance nationale. Aux côtés des résistants français se trouvent de nombreux étrangers, et parmi eux, 18 000 soldats soviétiques tombés morts pour la liberté de la France. Les Biélorusses y sont nombreux. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne suite à l'attaque perfide de la Pologne par l'armée allemande. Mais les actions militaires ne commencent que le 10 avril 1940. Ce jour-là, les troupes allemandes, puis italiennes, envahissent le territoire français. Le 22 juin 1940, le gouvernement français signe l'armistice, acte de capitulation honteux, jugé par De Gaulle et de nombreux Français. Cette guerre est très importante pour la mémoire des Français parce que la mémoire est très contrastée sur cette guerre. Et puis il y a bien sûr toute la partie collaboration, tous les Français qui ont collaboré avec notamment l'État, le gouvernement de Vichy, enfin l'État français de Vichy, qui est une page très sombre dans notre histoire. Jean-Marc Baudet est professeur d'histoire en France. À notre demande, il s'occupe de la recherche des traces de Biélorusses qui luttaient contre le fascisme au rang des résistants français. Avec Jean-Marc, nous avons traversé une partie de la France, de Paris à Lorient. Par des amis, un journaliste du journal régional Ouest-France à Hennebon, que j'ai rencontré, qui m'a fait donc un article dans le journal local et qui a déclenché beaucoup de coups de téléphone. Et puis donc sur place, j'ai retrouvé donc les deux tombes. Disons le plaisir que ces gens ont eu à raconter cette période de leur vie, à parler de ces soldats russes. Les vétérans de la résistance française, dans leurs récits, mentionnaient souvent les noms de deux Biélorusses, Fyodor Kozhemekhen et Ivan Kisilov. Le 21 juin 1940, les Allemands prennent Lorient, port français. 15 jours après, un sous-marin, le Outran, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Fritz Julius Lempe, entre dans le port. Lorient est choisi par les autorités allemandes pour devenir la plus grande base allemande de sous-marins pour l'Atlantique. Des prisonniers de guerre sont utilisés par les Allemands pour la construction des bassins pour la réparation des sous-marins allemands, pour préparer les positions pour le bombardement du territoire de l'Angleterre par les fusées FAO. À la fin de l'année 1939, le maître de l'école de la localité, Fyodor Kozhemekhin, est appelé sous les drapeaux. Fyodor Kozhemekhin a reçu une formation politique en Bachkirie avec le titre de instructeur politique cadet. Il part donc à l'armée. Sa femme Justine attend un enfant. Le père a dit, si c'est une fille, appelle-la Justine comme toi, c'est mon souhait. La mère a réalisé son vœu. Kozhemekhin envoie sa dernière lettre à ses proches au mois de juin de 1941. Ce n'est qu'après la fin des hostilités qu'ils reçoivent un court message. L'administration générale politique de l'armée soviétique et de la marine de guerre. Sur votre demande, nous vous informons que Fyodor Kozhemekhin est rayé de la liste du personnel militaire et porté disparu selon les données des archives du ministère de la Défense de l'URSS. En janvier 1942, à Londres, sur la porte du club des marins, une affiche y est collée. Intervention du théâtre John Gielgud. La chanteuse Anna Marley, engagée dans la France libre, se produisait dans le théâtre aux armées. Anna Marley, née Anna Yurievna Bitulinska. Elle est née en 1917 à Pietrograd. Elle appartenait à une famille célèbre d'origine noble. Son père étant fusillé par les bolcheviks, sa mère quitte la Russie avec ses deux enfants pour la France.
Anna apprend la musique chez Serge Prokofiev. Sous le pseudonyme Anna Marley, elle chantait dans les cabarets parisiens. Après l'occupation de la France par les nazis, elle émigre en Angleterre où elle entre dans la résistance. En attendant son entrée en scène, Anna parcourt les journaux. L'article intitulé « Les Russes luttent pour Smolensk » attire son attention. Un mot nouveau pour elle, les partisans la bouleversent. Des phrases, une mélodie rapidement prennent forme. Le chant des partisans est né en russe, sa langue natale. Ce sont 800 marins de la flotte militaire britannique qui l'entendent les premiers. Ce jour-là, Anna ne pouvait imaginer que sa chanson allait conquérir la France. La Bretagne est une région du nord-ouest de la France à la personnalité très forte par son histoire et sa culture. Sa devise historique serait « Mieux vaut la mort que le déshonneur ». La plante qui symbolise cette devise, la jonc, formait des haies de buissons épineux très résistants au vent. Au cours des années de la Deuxième Guerre mondiale, les Bretons ont mené une lutte active de résistance contre l'occupant nazi. La signification de l'abréviation FTP était alors bien connue de nombreux habitants. FTP, Francs-Tireurs Partisans, c'est l'une des grandes organisations de résistance armée en France. Elle a été créée au début de 1942 à l'initiative du Parti communiste, mais le mouvement rassemblait des patriotes de différentes convictions politiques. En hiver de l'année 1943, les Itiérilins amènent dans la région de Pontchâteau, en Bretagne, un groupe de prisonniers de guerre soviétiques pour déblayer les ruines de la station électrique locale. Au printemps 1943, 5 officiers soviétiques, avec le lieutenant Fyodor Kozhemiakin à la tête, s'évadent. Des patriotes français des régiments des FTP accompagnent les 5 soldats russes jusqu'à leur arrivée dans une petite station de chemin de fer de Saint-Nicolas-des-Eaux. Ouais, et quand il venait dans le secteur, il venait me dire bonjour à la boulangerie, il faut toujours dire, puisque j'étais délégué des FTP pour le bourg de Pubéléon. Les gens croyaient que j'avais tous 20 ans, parce que je tenais ma boulangerie, mais je n'avais pas 18 ans. En 1943, les clients de la boulangerie de Plumeliot ne pouvaient pas imaginer que le boulanger, un gamin, était un vrai maquisard. Éclaireur et agent de liaison, il était chargé de recruter de nouveaux combattants pour les détachements de résistants. Bonjour. Pas bientôt, on ne faisait pas la pâtisserie, hein. Uniquement le pain. Et les grosses tours, comme ça pour les cultivateurs en campagne, les 10 livres, le seigle et... Pendant une opération, il est arrêté par les fascistes et condamné à mort. Un pur hasard le sauve. Un officier allemand lui a offert la vie. Ce jour-là, cet officier a reçu une lettre lui apprenant la mort de ses deux filles sous un bombardement. Parmi les nombreuses récompenses de Léon pour ses actions de combattant, il a une médaille rare. C'est celle qui a été remise aux résistants qui, pendant la guerre, n'avaient pas plus de 20 ans. Léon en avait 16. À la gare de Saint-Nicolas-des-Eaux, Fyodor Kozhemiakin et ses amis sont accueillis par les résistants français. Après la bagarre de Cavernin, là, ils sont restés jusqu'au 4 août. 5 août. Le 5 août, ils ont rejoint Beau avec le 1er bataillon FTP. Ouais, voilà. Et après, ils ont frayé le front de l'Orient. La ferme de la famille Jégado est située à quelques kilomètres de Saint-Nicolas-des-Eaux. C'est là que les soldats russes devaient y passer 10 mois. L'entrée dans un champ, vous voyez. D'accord. Et ici, sur le talus, c'est un talus un peu comme là-bas, là. Ouais. Il y avait une cavité ici dans le talus, et là, ils avaient tranché, ils avaient creusé une tranchée recouverte de madriers de rondins dans lesquels ils étaient. La longue quarantaine pour les 5 soldats soviétiques devait y passer s'explique facilement. Manque de confiance. En Bretagne, dans les troupes allemandes, il y avait beaucoup de formations de volontaires russes. Les Français les appelaient Russes blancs ou Cosaques. Ça faisait qu'il y avait environ 500-600 dans le secteur. Ouais. Alors, ils voyageaient toujours à vélo ou à cheval, ça dépendait. Ils avaient les chevaux, mais souvent, quand ils circulaient dans le secteur, c'était souvent à vélo. Ah oui, complètement. Bah, parce que c'était des traîtres. Russes rouges, c'est le nom donné par les habitants bretons aux prisonniers de guerre soviétiques, évadés des camps fascistes.
et qui se sont joints aux Maquésars. En 1943, en France, le comité central des prisonniers soviétiques de guerre est créé. Mais qui pouvait faire confiance aux 5 soldats russes ? Étaient-ils rouges ou blancs ? Ce n'est qu'après le baptême du feu que les Français font confiance aux Soviétiques. Ils se sont assurés du dévouement du lieutenant Fédor Kozhemiakin, ses compagnons, vrais antifascistes. Ils sont alors admis à la compagnie des résistants français pour l'armée. Maquis désigne un type de végétation méditerranéenne faite de buissons épineux impénétrables. On a appelé maquisards les groupes de résistants cachés dans des lieux isolés, les forêts, les montagnes, là où ils camouflaient leur position et leur base. Dans le Morbihan, il devait y avoir en tout avec les FTP, l'ORA, l'AS, environ 12 000. Il y avait 150 000 Allemands en France. Le 6 juin 1944, l'opération Overlord commence. Les troupes alliées débarquent en Normandie, mais ne réussissent pas à prendre d'un seul assaut l'Orient port fortifié. Les alliés contournent la ville et se dirigent vers Paris. Les alentours de l'Orient, la soi-disant poche de l'Orient, devaient être libérés par les maquisards français et les russes. Alors quand il y a certains qui disent bah, « la résistance, à quoi elle a servi ?» Je dis « rigolo ». Je dis « mais s'il n'y avait pas eu de maquis, 50 000 Allemands restaient ici suffisants, ils auraient envoyé 100 000 sur le front de Normandie, les Américains ne pouvaient pas débarquer. Ils étaient bloqués là, parce que s'ils partaient, automatiquement, les maquis sortaient dans les villes et puis les Américains, les Anglais envoyaient des troupes parachutées. Le groupe dont faisaient partie les anciens prisonniers de guerre soviétiques avec Kozhemiakin à la tête lutte contre les hitlériens dans les régions de Plumerio, Hennebon, Lorient. C'est ici que Fédor s'est fait beaucoup d'amis. Mon père a connu Kozhemiakin en août 1944. Elle a quand même été très très forte, je pense. Moi, c'est ce que je retiens de ce que nous a raconté mon père. Je pense qu'il voyait vraiment Kozhemiakin comme un héros de la... Pendant le parachutage, à la réception des containers, il a entendu parler russe. Donc c'était un Ostroupan, c'était une personne qui avait porté la tenue allemande. Donc il l'a traité de traître. Et à ce moment-là, il avait son fusil et il a fait un mouvement avec son fusil. Bien sûr, il ne l'a pas frappé, il ne lui a rien fait, mais vous voyez que ça l'énervait. Pour la première fois pendant de longues années de la guerre, le drapeau tricolore du peuple français, le drapeau de l'honneur national, flotte librement sur la terre française le 14 juillet, le jour de la fête nationale, celle de l'anniversaire de la prise de la Bastille. Nous voyons la France libre dans ses pilotes courageux de l'escadrille Normandie, dans ses francs-tireurs partisans héroïques, dans ses vengeurs nationaux pour l'honneur de la patrie. Le journal Pravda, le 14 juillet 1944. Mais le 14 juillet 1944 est devenu le jour de la tragédie pour les maquisards. Le camp de Kervernen a été encerclé par environ 2000 Allemands. 30 maquisards sont tués, les autres faits prisonniers ont été fusillés après avoir été torturés. Un extrait de la lettre du maquisard français Jean Chenu envoyé à la rédaction du journal Sovietskaya Belarusse 1970. Le lieutenant soviétique Kozhemiakin était un soldat excellent, un grand ami des Français. C'était une personne à l'esprit clair, un combattant courageux, le héros du mouvement français de la résistance. Kozhemiakin a mis toute son expérience du combat au maquisard français, qu'il aimait beaucoup. Il a dit, il a donné sa version à un président des anciens combattants français. Et c'est ce monsieur-là qui a écrit, mais ça n'a pas dû aboutir. Et il est décoré surtout en France, mais pas en Union soviétique, je ne crois pas. Le chant des partisans est accueilli avec la vive ovation des marins anglais. Anne Marley la chante plusieurs fois de suite. Deux jours après, la chanteuse reprend sa nouvelle chanson devant le journaliste Joseph Kessel. « Voilà ce qu'il faut pour la France », s'écrie-t-il, et se jette sur le téléphone. « Maurice, il y a un travail pour nous. » Maurice Druon
célèbre écrivain français, fait la traduction du texte de la chanson. À vrai dire, ce n'est pas une traduction, c'est plutôt la version française. Des paroles au ton grave, dramatique, remplacent le ton lyrique du texte original. Très vite, le chant des partisans devient l'hymne de toute la résistance française et sa mélodie devient un indicatif des émissions françaises de la BBC. Ce n'est que dans les années 70 qu'on reçoit en Biélorussie l'information sur la participation de Fiodor Kojemiakin au combat pour la liberté de la France. Le journal Biélorussie soviétique publie un récit sur les Biélorusses dans la résistance française. Quand la mère a lu cet article, elle a gardé le silence pendant 20 minutes, ne pouvant prononcer aucun mot du choc. Elle était assise, regardait la photo et pleurait. Et ensuite elle a dit, c'est mon Fiodor, certes, il a maigri beaucoup, mais ce sont ses yeux, les yeux de Fiodor. En juillet 1944, non loin de l'Orient, une autre histoire de la participation d'un jeune Biélorusse à la résistance française commence. Une nuit, deux Russes sont amenés à la porte d'un manoir français. Ils sont arrivés la nuit, ils ne savaient pas où, et c'est un homme de mon père qui les a attrapés. Et il y a eu, en fait, un grand interrogatoire. Ivan Kisilov et Vassili Parelko ne savent pas que le destin les a amenés à la maison du capitaine Elion, un des partisans actifs de la résistance française. Les fugitifs subissent un interrogatoire et racontent leur histoire. Comme ils sont devenus prisonniers de guerre, comme ils ont dû choisir entre la mort ou le service pour les Allemands, eux, ils ont choisi le service dans l'armée allemande. Enfermés dans la poche de l'Orient, ils ont fui et cherchent à rejoindre la résistance. Le retour en arrière est impossible, ils seraient fusillés comme déserteurs. Le capitaine Elion leur fait confiance, leur donne un uniforme anglais et les prend dans son bataillon FFI. Depuis l'été 1944, les détachements isolés de FTP sont peu à peu intégrés dans la FFI, Force française de l'intérieur. Le 19 août 1944, Paris occupé se soulève contre les nazis. Toutes les forces des mouvements de la résistance engagent le combat. Et le 25 août 1944, Paris est libéré. Mais dans la région de l'Orient, l'ennemi n'a pas encore capitulé. L'ordre d'Hitler était formel. La base de sous-marins ne devait en aucun cas se rendre. Dans les détachements de la FFI, il y avait Fiodor Kojemiakin et Ivan Kisilov. En Biélorussie, on ne sait rien sur le destin d'Ivan Kisilov. Jusqu'en 1970, lorsque paraît un article sur les Biélorusses dans la résistance. Le nom de Kisilov est indiqué. Dans la région d'Octobre, les habitants du village Staraya Dobrova ont lu ce journal. D'habitude, c'était ma mère qui lisait le journal la première. Mais cette fois-ci, c'était mon père qui a commencé à lire et à pleurer à la fois. Il a quelques mots sur notre Ivan. La mère lui répond, c'est impossible, c'est trop loin, c'est au bout de l'Europe, en France. Comment elle s'est trouvée là-bas? Kisilov est un nom russe, biélorusse, très répandu. Aucun document concret sur tel ou tel Kisilov n'est gardé dans les archives. En France, il n'y avait qu'une seule photo sur laquelle Ivan Kisilov y figurait. Et cette photo est publiée dans le journal Biélorussie soviétique en 1970. Et c'est sur cette photo floue et effacée que la mère d'Ivan reconnaît son fils. Ma grand-mère ne savait pas lire. Elle a mis ses lunettes et a dit, c'est mon fils. Elle a embrassé ce journal et la photo. Jean-Marc Baudet recherche les vétérans français qui avaient lutté aux côtés de Kisilov et témoins de sa mort. Ce sont eux qui pouvaient alors confirmer que c'était bien leur Kisilov. On ne pouvait pas se comprendre. Parce que eux, ils parlaient pas français. Ils ont appris quelques mots. Un soldat, oui, parce que nous avions, on était en civil, mais on avait le brassard. Vous avez vu le brassard bleu, blanc, rouge, où c'était marqué 7e bataillon, 3e compagnie. Ivan Kisilov et Louis Kopanek ont combattu ensemble pendant 4 mois.
Marcel Guimard était agent de liaison dans la Résistance. Tous les deux se rappellent bien d'Ivan. Nous leur avons montré le témoignage de la nièce de Kisilev, Anna, et les photos d'Ivan Kisilev d'avant-guerre. Elle part, Marcel. Non. Les résistants stationnaient dans un ancien camp allemand près de Hannebon. Quand les Allemands bombardaient, tous se cachaient dans l'abri. Tu vois, il va jusque là, et il est derrière la haie. Et donc ça, c'est l'entrée. Kisilev restait toujours à l'entrée de l'abri pour prévenir les résistants en cas d'attaque allemande. Il est de faction ce jour de septembre 1944. Nous avons été relevés de la première ligne et à ce moment-là, je me rasais. Et lorsque, avant que ce soit fini, j'ai entendu une explosion. Et alors, je croyais que c'était une grenade qui explosait. Il y a eu beaucoup de poussière et des éclats d'obus qui sifflaient. J'ai relevé une forme, quoi, qui se débattait par terre. Et c'est là que j'ai vu Ivan Kisilev, qui avait été blessé. Il avait eu l'artère, la carotide coupée. Alors, lorsque nous l'avons emmené dans l'abri bétonné, il était mort. Et puis j'ai dit, bah, donnez-lui mon crucifix. Mais c'est pas moi qui l'ai mis dans... Quinze jours après la libération de Paris, près de Lorient, tombe mort le lieutenant de l'armée rouge, combattant de la résistance française, Fyodor Kozhemiakin. Mon mari l'a vu mourir sur le front de Lorient. On a dû mettre dans les écrits où il était décédé. Mon mari a toujours considéré la Russie en avant. Ce n'est que le 10 mai 1945, deux jours après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les combattants de la Résistance réussissent à faire prisonnier les Allemands et s'emparent de Lorient. Après la victoire, la plupart des Russes sont rassemblés à Paris en vue du retour au pays natal, en paquebot et à Odessa, en URSS. Avant leur départ, ils décident de revenir à Lorient pour prendre congé de leurs amis de combat. Il vient me dire, Léon,